Bienvenue en Algérie. Comme vous avez déjà des traditions de coopération avec Béjaïa, oui. Donc moi j'aimerais avoir une chose, c'est-à-dire que est-ce que vous pouvez nous proposer, c'est-à-dire ou bien d'après votre expérience, une expérience pilote qui a été faite au niveau de Franche-Comté, intégrant l'université, entreprise et territoire, qui a bien marché et qui pourrait être mise en place chez nous dans le cadre de ces projets-là. Mmh. Bon, j'ai pensé à cette question, après j'ai hésité quand vous avez parlé de l'observatoire. Mais l'observatoire, je pense que c'est assez grandiose, parce que vous avez touché à plusieurs aspects du développement durable. Même vous êtes rentré dans l'éco-conception, et moi je travaille dessus l'éco-conception, donc j'en connais un bout. J'ai même des doctorants qui sont lancés dans ce domaine, sur la logistique inverse, l'éco-conception, etc. Donc, mais on aimerait bien savoir... quelle est l'expérience pilote que vous avez réalisée d'après vos expériences et qui pourrait être transposée chez nous dans la situation que vous connaissez maintenant assez bien, je pense. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Merci. Transporter tel quel, bon, je crois pas que c'est... Franchement, là, on peut s'inspirer de choses... Parce qu'en intelligence territoriale, ce qui est important, c'est de mobiliser la population pour justement qu'elle développe des nouveaux projets. Nous, en Franche-Comté, je vais vous donner quelque chose qui ne concerne pas exactement le secteur de la gestion des déchets, mais qui concerne la santé. Dans une enquête qu'on avait faite, et dans le cadre de ce qu'on appelait un projet concerté, c'est-à-dire un projet qui réunissait un ensemble d'acteurs qui s'entendaient sur un projet de durée courte, enfin moyenne, 5 ans, et bon, pour des objectifs de développement territorial, on avait fait une première enquête, comme celle que je viens de proposer, et on s'est aperçu que 3% des gens n'avaient pas de couverture médicale. Enfin, il disait, hein, c'est une enquête, donc il disait, je n'ai pas de couverture médicale. Les travailleurs sociaux, les médecins, tout ça, nous ont dit, mais non, c'est pas possible. On a dit, écoutez, peut-être que c'est pas possible, mais peut-être qu'ils sont mal informés, alors il y a un problème. Hein. Si eux, ils pensent qu'ils n'ont pas de couverture, certainement qu'ils ne s'en servent pas, ou même s'ils l'ont. On a conduit un projet qui s'appelait la carte santé, hein, parce qu'on s'est aperçu en travaillant avec la caisse d'assurance maladie, avec les mutuelles, avec les médecins, les syndicats de médecins, l'hôpital et tout, on s'est aperçu en fait que c'était pas 3%, ça c'est ce qu'on avait vu dans l'enquête, mais en fait c'était plutôt 10%. Et donc, et en fait, des gens qui n'avaient pas, c'est pas qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas, ils ne l'avaient pas. Et donc, on a construit un projet, qu'on a appelé Carte Santé, local, et ce projet a plutôt bien marché, puisque c'est lui qui est à l'origine de la couverture médicale universelle. Donc, voilà, c'est des choses montrées aussi, l'importance du local comme lieu d'initiative. Dans le local, vous pouvez mettre en place des partenariats, construire des initiatives, et un jour, elles peuvent connaître un succès national avec les mêmes types de partenaires, puisque à l'époque, moi j'étais l'évaluateur pour les départements, et il y avait également la Caisse nationale d'assurance maladie et il y avait le ministère. Et donc, on a croisé nos chiffres et tout. Et bon, le projet de couverture médicale universelle est passé. Hein, vous voyez, bon, alors, c'est un exemple de concertation, de travail avec les acteurs, qui n'est pas non plus facile, hein, parce que pour moi, l'intelligence, ce n'est pas simplement de dire des choses, c'est aussi faire, quoi. Il y a les deux aspects. Hein. Et donc, c'est... alors après, bah, par exemple,
Je crois que si, on a développé, enfin on a aidé un réseau d'agriculture biologique à se développer, qui s'appelle les jardins de cocagne. Je pense qu'ils sont connus aussi en Algérie. C'est un réseau national, mais on a aidé à subventionner le premier, parce qu'on avait un programme européen, on avait acquis un programme européen qui nous l'a permis. Et ce programme européen a été acquis parce qu'on a fait un premier dépouillement des 300 dossiers RMI sur le département. Il y avait une logique d'évaluation dans le RMI, et il y avait notamment un instrument statistique, un questionnaire très bien fait qu'on a traité. Et on a montré cela, ça a été, disons, le corps de notre demande de projet auprès de l'Union européenne, en disant, mais ça, on peut le faire dans le cadre d'un projet de lutte contre la pauvreté. On voit là qu'il y a des tas de secteurs sur lesquels on peut déjà agir. Et le principal secteur, c'était en... de l'emploi des jeunes. Ah oui, mais ils sont dans leur famille. Alors, ils ont aussi des problèmes de logement. Ah ben oui, ben ils peuvent toujours trouver à se loger dans leur famille, vous voyez. Donc les jeunes, d'une certaine manière, n'existaient pas. C'est la famille qui existait. S'ils avaient des problèmes, il fallait qu'ils se retournent vers la famille et pas vers la société, alors qu'on était en train de mettre en place le RMI. Donc c'est en fait cette démonstration-là, l'analyse qu'on a faite, qui nous a permis d'obtenir ce projet. On n'a pas fait un énorme travail, on a bien ciblé notre enquête, et voilà. Et on avait le partenariat autour qui était prêt à travailler sur ces problèmes. Hein. Ma première fonction, ça a été celle de coordinateur du réseau européen d'insertion par l'économique. Vous voyez, donc... Et donc, il y avait déjà pas mal de pays européens qui étaient là-dedans. Mais on a eu ce retentissement-là à partir d'un traitement d'un fichier local, simplement, puis parce qu'on était capable aussi de mobiliser les acteurs, parce que les gens étaient avec nous. Ça, c'est important. Si les acteurs ne sont pas avec vous, vous pouvez peu convaincre, quoi. Parce que j'ai discuté avec pas mal de gens des projets européens et internationaux. Il faut convaincre. Les gens disent que c'est beaucoup de travail, oui, mais il faut convaincre. Mais derrière, il y a des sommes non négligeables. Parce que pour mettre en place les jardins de cocagne, pour mettre en place la couverture universelle, on a également mis en place la restauration du patrimoine rural. Vous voyez, des tas de choses. Hier, je suis venu par la superbe Kabylie. J'ai vu qu'il y avait vraiment pas mal de choses à faire, quoi. Et donc, tout ça, il y a certainement des acteurs qui sont prêts, etc. Bon, après, il faut aller chercher un peu d'argent, c'est clair. Voilà. Ok, merci bien. Merci. D'autres questions ? Bien, merci beaucoup.